comment Dieu agissait dans cette église. Nous lisons Actes chapitre 1er. Donc notre étude ce mois-là sera portée sur le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons Actes chapitre 1, les quatre premiers versets que nous lisons. Actes chapitre 1. Les quatre premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait qu'eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le livre des Actes a été écrit par Luc, un médecin chercheur, un historien, compagnon d'eux et bien-aimé de l'apôtre Paul. La référence se trouve dans Colossiens, le chapitre 4, le verset 14 que nous lisons. Colossiens, chapitre 4, verset 14. Comme nous sommes là pour étudier la parole de Dieu, je vous demande de chercher avec moi les passages que nous allons lire ensemble. Colossiens, chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin, bien-aimé, alléluia. Donc Luc, l'auteur de ce livre, est médecin et il est compagnon d'eux et bien-aimé de l'apôtre Paul, qui écrit ici dans Colossiens, le chapitre 4, verset 14. Il est aussi l'auteur du troisième évangile, qui porte son nom, l'évangile selon Luc. À son ami Théophile, déjà destinataire premier de son évangile, Luc écrit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et Luc poursuit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Quand Christ a déclaré dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon église », il a fait en même temps la promesse de la venue de son remplaçant, qui allait continuer de faire et d'enseigner ce qu'il a commencé. Amen. Jean, chapitre 14, que nous lisons, Jean chapitre 14, verset 15 à 26. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivez aussi. Alléluia. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, quand Jésus a prophétisé la naissance de son Église, quand il a fait cette déclaration dans Matthieu chapitre 16, 18, il a en même temps annoncé la promesse de la venue du Saint-Esprit qui allait continuer de faire et d'enseigner ce qu'il avait commencé. Le livre des Actes des Apôtres est donc la suite des actes du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Auquel il avait donné l'ordre. L'ordre a été donné de bâtir cette église de manière visible sur terre. Le livre des Actes relate comment le Saint-Esprit, agissant au travers de l'église, poursuit l'œuvre commencée par Jésus au cours de son ministère terrestre. Le Saint-Esprit accomplit le plan de Dieu conçu de toute éternité. Il le fait à travers l'église, le corps de Christ actuellement présent sur la terre. Alléluia. Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 19. Éphésiens, chapitre 3, les versets 1 à 19 que nous lisons. Nous voulons appuyer notre enseignement sur les Écritures. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Alléluia. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile que j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voici la révélation que Paul a eue par le Saint-Esprit qui continue l'œuvre de Dieu sur la terre, l'œuvre du Christ dans le corps, l'Église actuellement présente sur la terre. Le livre des Actes des Apôtres témoigne de la puissance de l'Église. Chaque fois qu'une Église de notre temps commence à perdre sa puissance, à s'assoupir et à rendre un témoignage qui perd sa saveur, un témoignage inefficace, elle a besoin de revenir au livre des Actes des Apôtres. Amen. Le livre des Actes des Apôtres témoigne de la puissance de l'Église. Retenez bien, chaque fois qu'une Église de notre temps commence à perdre sa puissance, à s'assoupir et à perdre un témoignage
Et avant un témoignage qui perd sa saveur, un témoignage inefficace, elle a besoin de revenir au livre des actes. Amen. Le livre des actes de l'apôtre, il faut le relire, il faut le vivre. C'est l'histoire de l'Église. Cette histoire a commencé à la Pentecôte. Cette histoire continue. Celle-ci raconte l'histoire du Saint-Esprit qui prend possession d'un petit groupe de croyants, les remplit de sa puissance, de son enthousiasme d'en haut. Le mot enthousiasme veut dire anxieux. In theos, anxieux, la vigueur, la force, le réveil, la puissance. Le mot enthousiasme, c'est en Dieu. Nous devons être embrasés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une puissance qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit fait exploser de manière littérale ce petit groupe de chrétiens réunis dans la chambre haute qui attendaient la promesse du Père, la promesse du Fils. Le Saint-Esprit descend sur eux. Il les enflamme, les embrase par son feu. Et eux-mêmes, à leur tour, embrasent les lieux où ils arrivent pour établir de nouvelles églises. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? C'est ce que nous raconte le livre des Actes des Apôtres. Cette histoire merveilleuse. Comment l'Église est née. Comment elle était dans la puissance du Saint-Esprit. Comment elle a continué dans la puissance du Saint-Esprit. Un petit groupe de croyants réunis ont été embrasés par le feu de Dieu. Ils ont retrouvé la puissance et l'enthousiasme qui vient du ciel. Et eux aussi, à leur tour, embrassent les lieux où ils vont. Alléluia. Embrassent les lieux. Embrassent les familles. Embrassent des villes, des villages, des pays tout entiers. Ce petit groupe a embrasé le monde entier. Alléluia. Et dans le livre des Actes des Apôtres, un verset qui fait vraiment référence de la vie de cette église, c'est que on dit cette église, ces hommes ont bouleversé leur temps. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont embrassé le monde. Un petit groupe. Ils ont porté le flambeau de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est de cette façon que l'évangile s'est répandu au premier siècle et doit continuer à se répandre dans ce siècle présent et à venir, malgré l'opposition et la persécution. Amen. Voyez-vous comment cette église est née de la puissance de Dieu. Ce livre nous relate comment un petit groupe a été visité. Un petit groupe a reçu la puissance de Dieu, la puissance qui vient du ciel. Et ce petit groupe a explosé, enflammé par le feu du Saint-Esprit. À leur tour, ils ont embrasé leur génération, malgré les oppositions et la persécution. Amen. Le livre des Actes révèle des caractéristiques particulières. D'abord, la source de la puissance de l'Église. La nature véritable de sa mission, ainsi que les principes supposés régir l'Église de génération en génération. Ensuite, ce livre nous présente la personne et l'œuvre de la troisième personne de la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit qui accorde la puissance. Acte 1, verset 8, l'assurance. Acte 4, verset 31, la crainte révélation de Dieu. Acte 5, 3 à 11, la sagesse. Acte 6, 3 à 10, la direction. Acte 16, ainsi que les dons spirituels. Alléluia. Il y a dans ces caractéristiques des messages puissants. Les messages de l'Église de tous les temps. Luc raconte avec exactitude les prédications inspirées de Pierre à la Pentecôte, d'Étienne, le martyr, de Paul, l'homme de la situation, de Jacques et d'autres ministères. Donc voici les caractéristiques de ce livre.
Les actes nous indiquent, nous interpellent sur ce qui maintient le feu dans la communauté. La vie intensive de prière, prière régulière et fervente, des nuits de prière qui entraînent des résultats réels. Alléluia. Il y avait également des signes, des prodiges, des miracles. Ces manifestations accompagnèrent la proclamation de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si nous allons, comme le livre des Actes des Apôtres le raconte, nous le relate, si nous sommes toujours en train de partir sur le terrain de l'évangélisation, les signes, les miracles nous accompagneront. Amen. Et ce qui met le feu de la puissance de Dieu dans l'Église, c'est la vie intensive de prière. Alléluia. C'est de ça que nous parle le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas que le relire. Il faut le vivre. Alléluia. Il y avait également des signes qui les accompagnaient. Ne pas être surpris des oppositions. Là où il y a brevet, là où la puissance de Dieu se manifeste, c'est inévitable. Les oppositions seront inévitables. La persécution religieuse pour séculière sera inévitable. Il faut s'attendre à la persécution. Ce qui fait que nous ne sommes pas persécutés, c'est parce que nous n'y allions pas à fond. Nous n'y allons pas à fond. Comme l'Église primitive, inarrêtable, malgré le martyr, les oppositions, la persécution, cette Église était inarrêtable. Elle allait à fond. Elle ne baissait pas devant la prière. Elle ne dormait pas sur ses lauriers, sur ses petites victoires. Malgré, envers et contre tout, cette Église voulait accomplir la mission, l'ordre suprême du Christ. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils voulaient accomplir cette mission. Ils ont brûlé sur leur temps. Ils n'étaient pas de nos chrétiens de ce jour-là. On pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement parler en langue. Et s'arrêter là. Ce n'est pas ça. Vous serez mes témoins. Alléluia. Partout où cette église allait, elle enflammait, elle embrassait les lieux. Il faut l'imiter. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Cette église vivait dans la puissance du Saint-Esprit. Les oppositions et les persécutions ne faisaient que contribuer à l'expansion, à la progression de l'évangile au sein des Juifs et des païens. Alléluia. Nous sommes souvent des peureux. Nous sommes souvent timides. Nous craignons pour notre propre vie. Mais ce que nous oublions, quand nous y allons, Dieu nous dévore dans le combat spirituel. Dieu est devant le combat. Dieu nous dévore. Malgré les oppositions, même la persécution ne fait que contribuer à l'expansion de l'évangile. Alléluia. Un fait remarquable, c'est la mention spéciale faite aux femmes impliquées dans le ministère, dans l'œuvre de cette église primitive. Parce qu'ils ont vu la parole de Dieu selon Joël, qui dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servants. Alléluia. Donc ils accomplissent cette parole de Dieu. Il n'y avait pas de distinction entre les femmes et les hommes. Comme vous lisez à des apôtres, c'est une équipe de vainqueurs qui y allait. Alléluia. Les femmes, les hommes. Même il y a des femmes qui ont des ministères puissants dans l'Église primitive. Alléluia. Parce qu'elles y allaient à fond. Le jour de la Pentecôte, les 120 étaient réunis. Il y avait plein de femmes parmi elles, parmi ce groupe-là. Elles étaient remplies, revêtues de la puissance de Dieu. Elles y allaient à fond. Alléluia. Aujourd'hui, tu es femme. Tu es jeune. Tu es réellement carré sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester inactif. On peut te pousser tout le temps. Mais tu dois te lever et aller
dans l'arène du combat spirituel. Pour arracher les âmes à Satan. Ces personnes que Satan mène à la mort chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Satan amène les gens à l'enfer. Et tu es là. Pourtant, il veut te remplir cet esprit. Et tu dépasses les gens. Il faut que tu te lèves. Mention spéciale est faite dans ce livre des Actes des Apôtres. On cite les femmes, des jeunes filles, des prophétesses, des jeunes femmes, leaders de l'Église, même des apôtres femmes qui communiquaient la vie. Alléluia! Amen. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. À ne pas nous limiter et attendre pour ne rien faire. Et on fait le triomphe final. Aucun obstacle, d'où qu'il vienne, obstacle culturel, racial, religieux, national, aucune opposition ni persécution ne peut contrecarrer la progression de l'évangile. Alléluia. Voyez-vous, cette église a compris que les oppositions vont contribuer à l'extension et que ce que Dieu a déclaré, aucune force ne peut détruire l'œuvre de Dieu. L'Église a survécu à la persécution. Alléluia. Aujourd'hui, si l'Évangile nous est parvenu, c'est des sacrifices, c'est des martyrs, des personnes. Même quand les premiers missionnaires venaient en Afrique, on les tuait. Mais ils n'ont pas cessé d'apporter la parole de Dieu en Afrique. Vous êtes des indigènes. Les premiers missionnaires remplissaient des esprits, venez quand même. Même si on les tuait, même si on détruisait ce qu'ils faisaient, mais l'évangile nous a atteint aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas dit, comme il y a des oppositions, je m'arrête. Comme la pluie vient, je ne sors pas. Ça, c'est le langage. C'est parce que Dieu n'a pas encore envoyé ce que l'église lui dit avec lui. C'est pas comme nous. Il y a petit pluie, on dit non. On peut... Non! La pluie n'est pas un obstacle. Les gens étaient en face des lions, des bêtes sauvages. On les brûlait, on les coupait en deux, on les découpait. Mais malgré ces choses, ils y allaient à fond. Vous m'entendez bien ce soir? Amen. Notre église aujourd'hui ne comprend pas ce qu'on appelle être rempli de cet esprit. Être revêtu de la puissance de cet esprit. On est limité. Petit obstacle, on dit là. Comme si c'était les hommes qui nous y poussaient. Or, le Saint-Esprit, c'est le feu dans notre vie. Nous devons embrasser les lieux. Alléluia. Amen. L'Église primitive a compris que ni la mort, ni la persécution, ni la faim, ni la soif, ni les difficultés ne peuvent baisser dans leur cœur la flamme de l'évangile. Amen. Voyez-vous, cette église est limitée. Aujourd'hui, quand maintenant tu vois les gens venir à l'église, et puis ils sont calmes comme ça, ils sont tranquilles comme ça, c'est qu'ils pensent à leurs problèmes. C'est qu'ils pensent à eux-mêmes. Ils pensent à leurs difficultés personnelles. Or, Dieu dit, il faut y aller à fond. Quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ce qui te concerne. Mais quand tu penses à toi seul et que tu laisses les gens mourir autour de toi, Dieu, il te laisse aussi. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Levons-nous, imitons cette église, et cette église vivante, puissante, inarrêtable, invincible. Malgré les oppositions, les difficultés, cette église était toujours joyeuse. Elle proclamait que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle proclamait la mort du Christ, sa résurrection, son retour en gloire. Elle était inarrêtable, on ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas contrecarrer cette église dans ses actions. Que rien ne nous contrecarre aujourd'hui dans nos actions. Que rien ne nous arrête aujourd'hui dans la proclamation de l'évangile. Nous aujourd'hui, on a la liberté de prêcher l'évangile. Mais eux, ils n'avaient pas la liberté. On les emprisonnait, on les tuait, on les livrait aux bêtes sauvages, on les brûlait dans l'île chaude.
Mais le sang des martyrs a été la semence de l'évangile dont je l'ai reçu. C'est au prix de leur sang que nous aujourd'hui on est sauvés. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on s'assoit aujourd'hui ou bien on se lève aussi. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Voici les caractéristiques de l'Église primitive. Le triomphe final. Aucun obstacle, d'où qu'il vient, ne pouvait contrecarrer la progression de l'Évangile. Lors de son ascension, le Seigneur a échangé son corps terrestre de résurrection par son corps, l'Église, qui doit atteindre les extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pendant son ministère, je vais expliquer cela bien bon. Jésus-Christ était limité en Galilée. Il pouvait se déplacer dans un corps physique, bien qu'il soit Dieu. Mais il ne pouvait pas être en même temps en Galilée, en Samarie et dans le monde entier. Son ministère était limité en Palestine. Et c'est qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Même si c'est Dieu, mais Dieu était limité dans un corps physique. Il est Dieu. Parfait Dieu, parfait homme. Mais son corps était un corps qui allait passer par la mort. Après la résurrection, alléluia. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité, qui va maintenant habiter dans chaque croyant. Alléluia. Donc l'Église a reçu le dépôt de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un corps physique. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui plane aujourd'hui dans le monde entier. C'est une œuvre qui a une dimension mondiale. Or, Jésus-Christ était limité en Palestine. Mais dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez des témoins. Alléluia. Partout où l'Évangile est prêché aujourd'hui, il a fallu les hommes et les femmes qui sont levés et qui sont partis. Ils ont établi l'œuvre de Dieu. Ils sont allés, nous allons voir cela dans l'Acte des Apôtres, comment ils sont partis pour obéir à l'ordre du Seigneur. Vous allez commencer d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont accompli leur mission. Amen. Jésus-Christ ne pouvait pas accomplir cette mission tout seul. C'est seulement en Palestine que son ministère s'est limité. Mais il s'est investi dans ses apôtres. Alléluia. Il a formé 12 hommes, 12 leaders. Il en a inculqué. Il les a enseignés dans les doctrines fondamentales. Et il a soufflé sur eux son esprit. Alléluia. Même que son vivant même, il les a envoyés deux à deux. Prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés. Ils disent à son Seigneur, les démons même nous sont soumis. Alléluia. Voyez-vous? Et quand il est parti au ciel, il a un corps aujourd'hui. Un corps qui est l'Église. Ce corps-là est un corps invisible. Partout dans le monde aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Chine, partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. L'Évangile a atteint les nations. L'Évangile est prêché. Donc cet Évangile-là ne pouvait pas atteindre ces nations si Jésus-Christ ne partait pas. Il faut qu'il parte. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne et donne une semence plus abondante. Alléluia. Ce n'est pas la Pentecôte, c'est un fait de moisson abondant. C'est à cette fête-là que le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples. C'est ce qu'on va étudier dans ce jour. Comment ce groupe s'est multiplié? Comment ce groupe de 120, ils sont passés d'un nombre extraordinaire. Une seule prédication sous la puissance de Dieu peut entraîner 3000 personnes à la conversion. Alléluia.
aujourd'hui. Quelle prédication nous apportons? Quel défi nous relevons? Nous avons un défi à relever. Dans ces temps qui courent, ces temps difficiles, ces temps de la fin, nous sommes l'église primitive. L'église primitive, elle a commencé, mais nous sommes l'église primitive. Nous devons nous lever dans ces temps de la fin. Et le même évangile que nous avons prêché, dans la même puissance de cet écrit, nous devons le prêcher aujourd'hui, ne pas avoir peur de l'opposition, des candidats ou bien des obstacles que rien ne nous arrête aujourd'hui dans la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. Voyez, c'est l'église que nous voulons étudier et que nous voulons imiter. Ces caractéristiques. Mais nous ne devons pas nous appuyer exclusivement sur le livre des Actes des Apôtres pour définir notre doctrine et instituer notre enseignement. Ce n'est pas son but. Il s'intéresse beaucoup plus à l'histoire, à la succession des événements. C'est un livre consacré aux transitions et non à la doctrine. Il faut donc que nous le lisions et le comparions aux autres écrits, les épîtres, bien plus doctrinales. Le livre des Actes est là pour nous stimuler, nous encourager et nous montrer ce que Dieu a l'intention de réaliser par l'Église dans toutes les générations. Alléluia. Voici le but du livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui va nous stimuler, nous encourager et nous montrer ce que Dieu a l'intention de réaliser par l'Église dans toutes les générations. Alléluia. Comment Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le même Dieu, le même Saint-Esprit qui est descendu de la Pentecôte, qui a fait des miracles extraordinaires avec l'Église primitive, des résurrections, des guérisons, des délivrances. C'est le même esprit qui nous habite aujourd'hui. Et nous dit d'aller. Si nous n'y allons pas, les miracles ne vont pas nous accompagner. Les miracles accompagnent ceux qui obéissent et qui y vont à fond. Qui, malgré les oppositions, y vont. Voici l'intention et le but du livre des Actes des Apôtres dans cet enseignement que nous nous apportons. Ce n'est pas un livre doctrinal, mais c'est un livre d'histoire. Un livre qui nous parle de transition. Un livre qui veut nous stimuler, nous encourager à comprendre les desseins de Dieu pour notre temps. Le même esprit nous habite aujourd'hui que les miracles nous accompagnent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les mêmes signes vont nous accompagner aujourd'hui. Que les malades parmi nous soient guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les vies soient libérées. L'esprit du Seigneur doit descendre sur nos vies. Alléluia. Amen. Comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Dis-le ce soir, encore avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Alléluia. Que cette parole se réalise dans notre vie effectivement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit indique le plan du livre dans un verset bien connu. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8, c'est le verset principal de ce livre, qui contient le thème de ce livre. La première partie de cette déclaration, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit suivant sur vous, annonce les deux premiers chapitres du livre avec l'effusion de l'Esprit. Alléluia. La suite du verset, et vous serez mes témoins, dans le thème du livre, il couvre les chapitres 3 au chapitre 28. La dernière partie, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, précise les grandes divisions et les étapes missionnaires. Que Dieu nous aide à accomplir ses paroles dans notre vie aujourd'hui. Amen. Maintenant, dans le plan détaillé de ce livre, à la page suivante, le témoignage à Jérusalem. C'est des thèmes que nous allons étudier. Mais citer les grands points. Le témoignage à Jérusalem.
Et le premier compte rendu, vous voyez, quand vous allez en mission, vous devez rendre compte. Alléluia. Il y a un premier compte rendu. Premier compte rendu du témoignage donné à Jérusalem lors de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Voici le premier compte rendu. Le verset 2, 47. Et le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Voici le premier compte rendu de la première mission locale à Jérusalem. Maintenant vient l'expansion de l'Église à Jérusalem. Les oppositions. Et en face de ces oppositions, voici le deuxième compte rendu. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Alléluia. Et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Le témoignage dans la Judée et dans la Samarie. Le martyr d'Étienne. Le ministère de Philippe. Et le troisième compte rendu, l'Église était en paix dans toute la Judée après la conversion de l'apôtre Paul qui était sort de Tasse. La Galilée, la Samarie s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre, l'extension de l'Église d'Antioche, ainsi de suite. Le quatrième compte rendu, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Voyez-vous, la progression constante. Premier compte rendu, Dieu ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. Deuxième, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Troisième, l'Église était en paix. Elle s'accroissait sous l'assistance du Saint-Esprit. Quatrième compte rendu, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. C'était des multitudes. On ne pouvait plus les compter. Alléluia. De 3000 à 5000, 5000 à 8000. Et enfin, on ne pouvait plus les compter. C'était des multitudes de personnes qui se convertissaient. Le monde entier a été bouleversé par cette première église. Cinquième compte rendu, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. De jour en jour, cette expansion était extraordinaire. Et à la fin de ce livre, nous avons un leader charismatique, l'apôtre Paul, l'homme de la situation, qui apparaît au bon moment où l'Église est confrontée à des situations difficiles. Il fallait un homme, un intellectuel, un homme de la situation qui allait confondre les philosophes grecs. Et puisqu'il les confondait, il a été arrêté. Il a été emprisonné. Il a été voyage missionnaire. Et le signe compte rendu, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Alléluia. L'expansion de l'Église jusqu'à Rome. Voyez-vous, de Jérusalem à Rome. L'expansion de l'Évangile. Et cet homme qui allait jusqu'à Rome, ce nom. Le même qui a persécuté l'Église dans ses débuts. C'est lui que Dieu a saisi. Il dit, il va être un instrument entre mes mains. Et c'est lui qui a accompli toutes les volontés de Dieu pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Cet homme Paul est un exemple d'engagement, un exemple de sacrifice, un exemple pour nous aujourd'hui. Et à la fin de sa vie, Paul recevait tous ceux qui venaient le voir prêchant le royaume de Dieu. Même dans les chaînes, il a continué à prêcher le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, mes chers, je suis esclave, je suis prisonnier. Mais il enseignait toujours, il a continué à enseigner jusqu'à ce que Dieu le prenne de ce monde. Cet homme-là, il a été le dernier pionnier de cette œuvre missionnaire dans une dimension internationale, une dimension mondiale. Nous sommes aujourd'hui appelés à aller par tout le monde, à l'image de l'Église primitive, que nous puissions être de ces instruments puissants que Dieu utilise pour notre génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, voilà.
voici le livre que nous allons étudier dans ces jours. Je vous demande déjà de le lire à la maison. Ce soir, nous avons fait une introduction, on a donné le plan détaillé, mais à la maison, commencez à lire ce livre en entier. Vous serez enrichi, vous serez boosté, vous serez encouragé. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui subissez certaines situations, que ce livre, en le lisant, il y ait un nouveau départ dans votre vie. Amen. Un nouveau réveil dans votre vie. Amen. Un nouveau dynamisme dans votre vie. Recevez cette puissance, celle du Saint-Esprit, et soyons ensemble les témoins pour nos générations. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Ne fermons plus la bouche. Partout, je me trouve, je dois ouvrir ma bouche. Je ne dois pas être caché. Je ne dois pas avoir honte. Si le Saint-Esprit m'habite réellement, la honte disparaît. La timidité disparaît. La peur disparaît. La crainte disparaît. Je suis enthousiasmé. J'ai en moi le feu de Dieu en moi. Prions le Seigneur ensemble. Demandons encore que ce soit au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Que je me borne pas seulement à écouter, mais que je sois un praticien de la parole de Dieu. Que je mette en pratique ce que j'entends, que je le vive aujourd'hui dans mon temps, que je me lève, que je rachète le temps, car les jours sont mauvais. L'Église primitive a fait sa part. Nous, en tant qu'Église, il l'a fait. Nous devons nous lever. Nous devons être vraiment déterminés, engagé, ne pas regarder à nos difficultés, ne pas regarder aux oppositions, ne pas regarder à la persécution même, ne pas être limité. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique de réveil dans cette communauté, de réveil dans nos nations. Que les femmes se lèvent, que les jeunes se lèvent, que les hommes se lèvent, que les enfants se lèvent, que cette église se réveille en fait du sommeil spirituel. Et qu'elle se lance dans le combat, qu'elle se lance dans l'arène du combat spirituel, dans les rues, dans les quartiers, que ta puissance nous accompagne, que nous puissions nous lever, que les actes aujourd'hui, que nous posons des actes qui puissent être réellement en ta faveur, que l'évangile soit prêché, que nous soyons des témoins efficaces, remplis de cet esprit, porteurs de vie autour de nous, dans les quartiers, à nos services, à l'école, partout, Seigneur, au marché. Donc, nous lever, de nous réveiller, que ta puissance nous enflamme, nous embrase, et nous embrassons sur notre tour les lieux où nous trouvons, que ces lieux soient embrasés du feu de l'évangile. Seigneur, viens notre secours, vomis-nous, donne-nous, Seigneur, une vie de consort, que tu nous interpelles aujourd'hui, que nous nous levons aujourd'hui dans l'évangélisation, que nous emportons les vies autour de nous. Seigneur, viens à notre secours, réveille-nous, Seigneur, dans la prière, que le feu de la prière embrase nos vies, que le feu soit maintenu dans l'intensité de la prière, prière personnelle, prière collective, prière de l'Église, que nous levons dans la prière, que nous puissions intercéder, que nous puissions nous lever dans la prière, dans l'intercession, dans l'évangélisation, que le feu de Dieu continue à brûler tout l'autel de nos cœurs. Bénis du Père, que la négligence soit de nos vies, que la paresse soit de nos vies, que la timidité soit de nos vies, que l'esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de crainte, l'esprit de peur, mais l'esprit qui donne la force. Et l'esprit d'amour, et l'esprit de sagesse, que la force de la communauté, la force de la communauté, la force de la communauté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle ta puissance, révèle ta puissance, communique-nous ta force, ta vigueur, au nom de Jésus-Christ, que la négligence s'éloigne de nos vies, que le sommeil s'éloigne de nos vies, que la paresse soit dans notre vie, que la timidité soit dans notre vie, que la tantisme soit dans notre vie, que la froideur et la tiédeur soit dans notre vie. Enflamme nos vies par le feu de la Dieu. Embrasse nos cœurs, embrasse nos vies, embrasse-nous par ton feu, Seigneur, que ton feu
et que ton feu purificateur descende dans notre vie, consume le péché, les obstacles intérieurs, soit consumé par le feu de l'Esprit de Dieu, que la puissance du péché soit brisée, soit ôtée, soit consumée, que les désirs charnels soient consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que les faux raisonnements tombent, tout au cœur que vous êtes la connaissance du Dieu vivant, que tous ces raisonnements faux et ces hauteurs tombent aujourd'hui, amenez nos pensées captives à l'obéissance de Christ, que nous obéissons à la foi de souffrance. Seigneur, conduis-nous par ton esprit, orientons-nous, que ta main puissante nous accompagne, que ta puissance nous accompagne. Confie ta parole, par des signes, des produits, des miracles nous accompagnent. Seigneur, entendons que les malades soient guéris. Entendons que les vies soient libérées. Entendons, Seigneur, que les démons soient chassés. Que les forces mystiques, les forces ténébreuses soient mises hors d'état de nuire. Que tous ces démons qui entraînent les gens à mort, nous les lions ce soir. Nous lions ces forces mystiques d'infidélité dans les terres. Nous lions ces démons d'infidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous dénions les âmes. Mais cette année de la mort, nous les bénions au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les esprits méchants, les puissances d'assoupissement, les puissances de sensibilité. Nous les chassons les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que réveille l'éveil de notre conscience, l'éveil de notre esprit. Réveille notre esprit, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que notre esprit soit réveillé. Pour que nous puissions nous lever et passer à l'action aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.